Moi, je suis ici aujourd'hui pour parler du besoin pour avoir d'autres lits pour des gens qui ont besoin de soins comme mon père et ma mère en ont eu besoin. I don't think a lot of people appreciate the dire need for extra beds for long-term care, especially for people who are francophones. Moi, je parle les deux langues, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, ayant vu ma mère et mon père, ayant du si bon soin ici au foyer Richelieu, qu'on a eu la chance d'avoir une chambre, un lit pour ma mère, ça nous a sauvé la vie. I work all over the place, all over the world. I cannot be in Welland for my mother 24/7. So the foyer Richelieu saved our family and took such amazing care of my mother in the language she could understand. I'm scared that when I get to be older, should I get this damn Alzheimer's disease, that I might very well revert to speaking French only. And then where will I go to have care for the end of my life? The thought of being in a place where I do not understand the language is so terrifying and will rob me of a nice end to my life, and I cannot stand that thought. Il y a une liste d'attente qui ne finit plus ici. Nous avons tellement besoin de plus de lits ici. Le foyer Richelieu nous a donné la paix. Nous a donné le cadeau de prendre bien soin de notre mère pour la fin de ses jours. Et quand je pense aux gens qui sont ici à attendre, en espérant d'avoir ce même cadeau pour leur mère ou leur père, ça me fait tellement de peine de penser que peut-être ils ne pourront pas l'avoir. It is not a flippant thing. This is a true need, and it's needed now. I know what it's done for our family, and I can only hope that the same could be done for many, many more families. Thank you.